Crapote, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve sur IW en compagnie de Riox Gamer et de MG Family. Comment vous allez? Yo, ça va très bien. Donc, leur chaîne sera en barre d'infos. Donc, aujourd'hui, on se retrouve sur IW avec ces deux youtubeurs. Donc, on va parler de nos pires conneries qu'on a pu faire. Et si vous aimez bien ce concept-là, on fera un deuxième épisode. Je vais laisser la parole à Riox parce que c'est lui qui en a fait le plus de conneries, donc c'est lui qui arrivera plus à nous dire. Pourquoi moi le premier? Parce que c'est toi qui fais plus de conneries. Et c'est toi qui t'es plus pressé à faire la vidéo, là, j'ai dit go, go, voilà. Go, donc tu commences. Alors, Kenzo. C'était en fin de compte, tu l'as sait aussi, tout à l'heure. Je prenais un couteau et je poursuivais. Crapote, mes soeurs. En fait, contre, il y avait Crapote, elle était petite, et mes deux soeurs, et je l'ai avec un couteau, j'avais, je sais pas, 4 ans. Non, mais je tiens à préciser, c'était un couteau de boucher. Oui, et je l'ai poursuivi avec ça, et puis il courait, il faisait maman. Puis, tu m'étonnes. Mais attends, t'as pas tout dit, parce que il criait dans la maison après nous, il disait « Je vais vous tuer !» Ah, j'ai un vrai psychopathe, moi, quand j'étais petit. Ah ouais, mais il faut savoir, c'est qu'il regardait tous les épisodes d'Harry Potter tous les jours. Ouais, donc... D'accord. Voilà, j'adore Harry Potter. C'était ça ta connerie? Je prenais des bâtons où je faisais Harry Potter et tout, hein. Ouais, il y a des campeurs. Ouais, il y a plein de campeurs. Allez, vas-y, à toi, crapoteuse. Moi? Oui. Ah, mais moi, j'en ai plein de conneries aussi. Je veux dire, c'est la plus récente que j'ai fait. En fait, j'étais avec une amie à son truc de danse. Et on est arrivé largement avant. Donc, on était parti dans le studio de danse qui était en haut. Donc, vous voyez, en fait, c'est le studio de danse. Toi, t'as les tables de mixage et tout. Ouais. Et moi je voulais faire ma belle, alors je branche mon téléphone sur le câble et je voulais mettre la musique. Et d'un coup on entend dans tout le studio de danse un énorme POM. Mais toi vraiment comme si qu'il y avait une arme qui tirait. Ah oui, je sais, c'est quand tu mets le truc moi aussi, donc quand je mets Non, c'était pas les enceintes. C'était pas les enceintes. C'est juste qu'en fait, le truc il était hors service. Et que j'ai fait sauter toute l'électricité du studio de danse. Ah oui. Ils étaient en plein concours pour désigner qui allait danser avec les danseurs de Justin Bieber. Les gars, la femme de la sécurité et tout, ils ont appelé le gars de la sécurité. Ils ont appelé le gars de la sécurité et le gars il est monté. Nous avec ma pote on s'est barré en courant. Sauf que moi blonde comme je suis, j'ai laissé brancher mon téléphone. Oh alors on descend en bas, on s'était planqué dans les toilettes et au moment de sortir, t'as la concierge, elle vient me voir, elle me fait t'aurais pas oublié quelque chose? Puis je fais bah non, et elle arrive devant moi avec mon téléphone tout cramé, explosé en fait, avec la puissance qu'il y avait eu. Et j'ai quitté, d'accord. Vous avez été viré aussi? Non. Ah moi j'ai viré. Donc, je sais pas, de toute façon, ça va sûrement se relancer. Donc, avec la puissance, tout mon écran s'était fissuré de mon iPhone. Oh, bah oui, chaud. Ah, c'est... Et du même coup, chaud, ouais. Ça a été ma pire connerie parce que j'ai été bannie du studio de danse où c'était. Bah, bravo. Toi, MG Family. Moi, en fait, en gros, c'est rapport au gaming. Je fais juste avec Alex. On faisait un match de foot tranquille. Et en fait, c'est la première fois que je gagnais. Et genre, il restait 3 minutes de jeu. Et il tire le ballon du milieu de terrain. Le ballon, il a rebondi au-dessus de mon gardien. Il est passé dans le but. Et genre, on était 1-1, tu vois. Donc, du coup, au final, il a gagné le match. Donc, j'étais deg. Et en fait, j'étais tellement deg que genre, j'ai pris ma manette. Mais je l'ai pas jetée dans l'écran. Je l'ai jetée sur le bureau. Ah ouais. Et en fait, vous voyez les manettes de PS4, au bout, c'est gros, c'est lourd. Ouais. Et ben, en fait, avec, on va dire, la puissance comment elle a glissé. Elle a tapé dans l'écran, je l'ai vu, il était allumé, d'un seul coup, il devenait tout gris, il y avait une grosse lumière. J'ai cassé mon écran,
en faisant juste ça en fait. Et du coup j'étais dégoûtée. Tu me rappelles, j'ai pété un plomb moi. J'ai mis tout, ma télé casse juste en faisant glisser une truc. Et puis au final j'ai dit à ma mère que je m'étais cassé la gueule dedans et que mon poignet l'avait tapé dedans. C'est passé crème mais j'ai failli me faire tuer. Bon bah j'espère que cette petite vidéo vous aura plu parce que je vais pas continuer vu que j'ai pas de gameplay. Donc j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un big pouce bleu et leur chaîne sera en description. Et si vous voulez un épisode 2, bah lâchez le plus de pouces bleus. À 50 pouces bleus, on refait l'épisode 2 de nos pires conneries. Donc j'espère que ça vous aura plu et j'espère que ça vous aura plu aussi à vous de la faire avec moi. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao. Peace. Baby. Packed in your stack, especially in the back. Brother, wanna thank your mother for